deux romans de la même collection. Il s'agit de la collection Ma petite bulle d'univers qui est parue chez Organic Edition. Donc Organic Edition, à la base, c'est un label musical et il se développe sur une partie littéraire sur une base de nouvelles graphiques. Donc j'ai commencé par lire L'Animal, qui est écrit par Sylvie Lenné et qui est illustré par François-Olivier Brunet et Philippe Oreille. Donc Philippe Oreille étant le directeur de la collection, je crois. Ce sont des très petits formats, comme vous voyez, ça fait une trentaine de pages, en tout cas pour L'Animal. Et la particularité, si vous n'avez pas vu la vidéo d'Harmonie, The Witch, je vous conseille également, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Il y a de nombreuses illustrations, alors c'est vraiment conceptuel. Moi je vous avoue qu'il m'a fallu plusieurs mois pour me plonger dedans parce que je craignais, surtout le livre suivant, je vais vous montrer après, je craignais ce genre de dessin. Alors pour le coup ici ça va, c'est pour ça que j'ai commencé par L'Animal. Ça se lit très vite, honnêtement je l'ai lu dans le tram, j'en ai eu pour 25 minutes, même pas. Donc voilà, et c'est une nouvelle. Donc c'est la première fois que je lisais un roman de Sylvie Lenné et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très percutant, j'ai trouvé des descriptions d'animaux assez rigolotes, assez réalistes, avec vraiment des réflexions que n'importe quel humain peut avoir. Et la chute était juste magique, je m'y attendais absolument pas. C'est vraiment une ambiance particulière. C'est un genre de fantastique, mais on ne sait pas trop. Enfin voilà, je peux pas trop en dire puisque c'est très court. En tout cas, je vous le recommande. Si vous voulez découvrir une nouvelle collection, bon après, il y a les illustrations, c'est de la nouvelle graphique. Le livre est à 15€, mais je pense qu'on le trouve. Vous pouvez le commander soit sur le site, donc j'essaierai de vous mettre le lien par ici, soit sur de bonnes librairies, pourquoi pas. Si vous êtes de Lyon, sachez que le dépôt imaginaire a toute la collection.